What's up tout le monde, comment allez-vous? C'est MC Scorp. Aujourd'hui, on se trouve pour un petit tuto sur mon ordinateur. Donc, tout d'abord, vous voyez que j'ai changé le fond d'écran de mon ordinateur. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, soit on s'en fout, on passe. Alors, je vais vous montrer comment faire une illustration de chaîne pour les nouveaux YouTube 2013 ou 2014 maintenant. Et même 2015 maintenant. Mais en 3D, en relief, un petit peu comme c'est étri là, pardon, un petit peu comme ça au fond là avec l'écriture 3D comme ça. Donc tout d'abord, il faudra deux logiciels. Donc il vous faudra Photoshop pour les retouches finales et Cinema 4D qui est ici. Voilà. Donc je vous mettrai le lien pour télécharger lui et peut-être le lien pour Cinema 4D, mais je pense pas parce que comme c'est un logiciel payant, il faut le craquer. Donc vous tapez sur YouTube comment craquer Cinema 4D sans uTorrent, c'est plus simple. Donc voilà, et vous c'est un logiciel très facile à craquer. Ou peut-être même que je ferai un petit tuto dessus pour comment le craquer. Voilà. Donc tout d'abord, avant qu'on cette vidéo, je fais une grosse dédicace à mes 155 à 155 abonnés. Donc je vous remercie de suivre mes vidéos YouTube. Je sais pas si vous êtes allé voir mon site internet, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai fait une nouvelle intro en relief pour les 200 abonnés avec Cinema 4D. Donc je la mettrai à 190 à peu près pour que vous puissiez la voir avant. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Donc nous allons ouvrir le Cinema 4D. Donc vous l'ouvrez comme vous voulez. Moi je l'ouvre comme ça, si je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Donc après vous gérez comme vous voulez. Par exemple, moi je l'ai en français. Donc si par exemple vous avez une version en anglais, donc c'est facile, vous faites ce qui est help, fait aide, donc vous help et vous faites vérifier les mises à jour. Et normalement, si vous faites les mises à jour, il va vous demander à un moment un langage de pas que vous mettez français ou comme vous voulez, ce que vous voulez. Normalement ça va s'appliquer. Donc voilà, donc pour ce petit truc il n'y aura pas besoin du plugin Strozzi, donc je précise. Donc tout d'abord vous allez orienter votre caméra à peu près droit comme ceci. Vous allez faire apparaître un sol en appuyant ici. Soit vous maintenez appuyé ici, vous faites sol, soit vous appuyez directement sur sol. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, vous zoomez pour qu'on enfin, vous laissez comme ça, voilà. Parce que sans le. Vous voyez les petits traits là, je sais pas si on le verra bien, les petits traits là comme ça, blanc, des deux côtés, c'est la taille de la caméra. Donc c'est ce que verra la caméra. Ce que le rendu final, on verra sur le rendu final. Donc tout ce qui est là, 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 on verra pas, on verra que ça. Donc voilà, après vous faites apparaître, vous allez faire apparaître un texte. Donc c'est très simple. Je vais juste fermer ça. Voilà, vous allez dans mot graphe. Et vous allez dans mot texte. Donc votre texte apparaît ici. Donc avant de le centrer, on va marquer le nom. Donc moi je marque MCB-Scar. Hop, voilà. Donc. Normalement, voilà, ça va la marquer. Donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez essayer de le cadrer dans le cadre. Donc ne paniquez pas, c'est trop grand, on va arranger ça. Déjà dans la profondeur pour que votre texte soit plus esthétique, donc plus joli, vous allez mettre 80. Donc marquez 80 avec le clavier. Vous voyez que ça fait un truc plus épais. Donc c'est un petit peu plus esthétique. Après, on va changer la police. Donc vous prenez ce que vous voulez dans toutes les polices qu'il y a. Donc ça commence de là. Il y a une grande liste comme ça. Donc moi je prends la R de la naine. Je sais pas si on le dit comme ça. Je trouve qu'elle va bien avec mon nom au niveau du rendu. Voilà. Donc avant de réduire votre texte pour qu'il rentre dans le cadre, on va l'incliner pour que ça rende un petit peu plus joli. Un petit peu comme ceci. Voilà. On dit que ça donne un petit effet relief. Donc voilà, c'est pas moche. Après, vous recliquez là-haut, dans ce carré sur mot texte.
Et là, vous allez descendre, enfin là, voilà. Et vous voyez, il y a marqué ici hauteur. Alors la hauteur, vous prenez la flèche du bas et vous restez appuyé jusqu'à ce que ça rentre dans votre cadre. Donc, avant de continuer, je vais le recadrer pour voir à peu près où on est. Voilà, et vous descendez. Donc, si vous voulez que votre illustration de chien soit bien cadrée, que le petit logo, si vous avez l'illustration de chien qui fait un carré comme ça, avec le petit logo de votre chien ici. Si vous voulez pas que le M, par exemple, si vous voulez pas que votre logo gâche une partie de votre nom s'il est trop long, vous le cadrez pour qu'il reste à peu près sur les côtés, un petit peu plus que ça. Donc on va faire. Donc là, dans l'espace horizontal, vous mettez moins 5 pour voir ce que ça donne. Voilà. Et vous recadrez à peu près votre nom comme ceci. Donc là, moi, il est encore trop long, mais je dois encore le descendre un petit peu. Voilà. À peu près, j'essaie de le faire à peu près qu'il y ait le même espace des deux côtés pour que ça soit un peu plus esthétique. Donc après, c'est vous. Hein. Moi, je préfère avoir un truc de propre et bien fait qu'avoir un truc mal fait. Ne vous inquiétez pas, les traits du sol et tout, on les verra pas à la fin. Hein. C'est juste là. Donc votre test ressemblera à ça. Donc, vous pouvez zoomer si vous voulez, comme ceci, avec la molette ou avec la flèche ici. Donc maintenant nous allons mettre les couleurs. Vous mettez le fond que vous voulez. Donc par exemple pour faire les couleurs, vous prenez votre souris, vous allez ici, vous faites double clic. On crée une matière. Donc la matière elle est ici. Donc vous faites sur la matière ici, double clic de nouveau. Voilà, donc ça vous ouvre ça. Donc là, vous allez ici. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais mettre, comme sur mon illustration de chaîne que j'ai maintenant, un petit peu couleur or. Un petit peu, je... Un petit peu comme ceci. Donc voilà. Donc après vous pouvez régler comme vous voulez, par exemple moi je coche spécularité. Alors, si vous voulez mettre une réflexion, vous pouvez la mettre. Et si vous voulez la ranger, par exemple vous pouvez descendre à 20% par exemple. Et ça vous donne un petit reflet comme ça. Donc je vais le laisser comme ça, je trouve que ça fait un petit peu joli. Donc voilà, donc vous prenez votre couleur, vous maintenez le bouton gauche enfoncé, vous la faites glisser sur sol jusqu'à qu'il y ait la petite flèche vers le bas. Et voilà, vous avez votre couleur. Non, je la trouve pas. Ah, voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà. Voilà, donc là, vous avez votre couleur de fond. La couleur de votre texte de fond. Donc, juste comme moi, le nom est grand, je vais un petit peu baisser encore la hauteur parce que j'ai peur que ça passe pas. Donc, voilà. Voilà, là, je pense que ça devrait passer sur la chaîne. Donc maintenant on va mettre la couleur de votre texte. Donc vous allez dessus de nouveau ici, vous faites double clic, vous créez une nouvelle matière. Dans cette matière vous allez mettre de nouveau, vous faites double clic dessus, vous allez mettre la couleur que vous voulez. Donc moi je vais mettre du rouge. Je fais comme ma bannière. Donc moi je mets plutôt du rouge foncé. Donc voilà. Si jamais votre couleur, quand vous l'avez coché ici, n'apparaît pas sur votre boule, vous allez ici et vous mettez pareil. Voilà. Et là, normalement, ça devrait apparaître. On décoche spécularité. Et je vais mettre un petit peu de réflexion pour voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre à 20% pour voir ce que ça donne. Je trouve que c'est pas assez. Je vais mettre 40%. Donc vous voyez, vous pouvez doser comme ça, comme vous voulez. Ou alors vous pouvez prendre le ça et la faire monter et descendre comme vous voulez. Mais j'ai trouvé que c'est plus facile avec de marquer directement le numéro. Voilà, donc votre couleur est faite.
Vous la prenez de nouveau, vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et vous le faites glisser sur mode test. Comme ceci. Donc votre test a une couleur. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez que l'or dépasse un petit peu dans le mot. Ce qui n'est pas très beau. Donc vous prenez ici l'outil, vous cliquez sur mode test et vous le faites un petit peu monter. Pas de beaucoup. De manière à ce qu'on voie moins le reflet de l'or dedans. Voilà. Donc on le voit toujours un petit peu, mais ce n'est pas grave, ça se voit beaucoup moins. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter des effets, mais faites attention de ne pas mettre en haut et en bas parce que YouTube ne vous le prendra pas. Donc voilà. Donc si vous voulez voir le rendu final, parce que vous pouvez faire encore plein de trucs, par exemple si vous voulez que vos lettres soient un petit peu tordues, vous prenez ça, vous mettez là. Attendez, non je me suis trompé. Non, si vous voulez les faire retourner pour que ça soit un petit peu plus stylé, vous aurez besoin de Tozzy, donc le pudding pour faire 45 pièces de vos trucs, les refaire en normal pour que quand ça bouge, ça bouge pas, et qu'après on puisse tourner chacune des lettres. Donc je ne vais pas le faire, mais si vous voulez vous aventurer, vous pouvez le faire. Donc vous faites pour ceux qui ont Windows 8, vous faites module externe, Tozzy, et vous mettez nombre de pièces 45, qui va vous les convertir une lettre par une lettre, donc ça sera fermé, et vous aurez toutes vos lettres qui apparaîtront ici. Donc voilà, donc après vous ferez mot graphe, effecteur, non, mot graphe, fracture, vous sélectionnez toutes vos lettres, les glissez dans fracture, bon bref c'est toute une manipulation, et puis vous pouvez regarder des tutos sur YouTube. Donc moi je fais que le relief 3D de la banderole. Donc voilà, donc si vous voulez voir le rendu final sans le convertir, vous faites au milieu, comme ça. Non, comme ceci. Donc j'ai fait une erreur, comme vous pouvez le voir. N'oubliez pas, je me suis trompé en parlant, j'ai oublié. Ici, il y a marqué 90F, c'est-à-dire 90 images. Vous mettez une image. Parce que nous, on n'en veut qu'une. Pour avoir une image de chaîne. Donc après, vous appuyez sur rendu. Donc voilà, il va mettre 2 secondes à le faire, le temps de faire une image. Voilà, donc votre rendu, ça donnera ça. Donc voilà, là, vous avez le rendu final. Donc, c'est fini. Après, pour sauvegarder le fichier, vous faites la petite disquette, enregistrer sous. Donc là, il y a quelques réglages à faire. Dans format, vous pouvez mettre TIFF, vous mettez GPEG, pour qu'à peu près tous les correcteurs d'image comme Photoshop, Photoscape, Photofiltre et tout, puissent le lire. Voilà, mais là vous mettez OK. Donc il va vous demander là où vous voulez l'enregistrer. Donc vous l'enregistrez là où vous voulez. Moi je mets tuto UTB. Voilà. Donc faites enregistrer. Normalement là c'est fait. Donc si vous voulez vérifier, vous allez ici. Là où vous l'avez enregistré. Donc moi c'est l'image. Image vidéo. Et normalement. Il doit y être tuto YouTube, voilà. Donc il est enregistré. Donc soit vous fermez, soit vous pouvez continuer à vous amuser avec Tozzy ou d'autres trucs comme ça. Donc voilà. Donc maintenant nous allons fermer ce logiciel. Donc vous faites non. Voilà. Donc vous allez sur Photoscape. Pardon. Soit sur Photoscape, Photofiltre, Photoshop, etc. Vous faites ouvrir, bon vous l'ouvrez comme voilà quoi. Donc là il charge, là bref, voilà. Vous allez dans, mais le mieux c'est Photoscape je trouve. Bon après vous allez dans édition si vous avez Photoscape, et si vous avez autre chose, vous allez dans l'endroit où on peut modifier les images en ajoutant des textes et des effets. Donc voilà, donc moi j'arrive ici. Donc hop, hop, c'est pour que ça se mette à jour. Donc maintenant je vais chercher le truc tuto YouTube. Il va pas être bien loin. Ici donc vous l'ouvrez. Donc voilà.
Vous voyez qu'on n'a pas perdu le relief. Donc vous allez dans redimensionner, ou vous, si vous avez un autre logiciel, vous cherchez un petit, comment s'appelle, un petit icône ou un truc comme ça qui permet de redimensionner l'image. Donc voilà. Une fois que vous êtes ici, il faut que dans la largeur des pixels, vous mettez 2050. Voilà, comme ceci. Vous faites OK. Donc votre image s'agrandit, donc on le voit en bas là, mais on le voit pas. Donc voilà. Donc, si vous voulez par exemple ajouter un petit texte en dessous, donc avec photo Skype, vous faites objet, texte. Par exemple, on va marquer, moi je vais marquer gameplay-live-tuto-2050. Donc j'ai fait une petite faute de frappe. Alt. Si vous voulez faire une majuscule, faire un majuscule avec un accent, faites Alt. Vous maintenez le bouton Alt. Alt. Donc c'est celui à côté de la barre d'espace en principe. Et vous faites 144 et vous relâchez. Et ça donne une majuscule. Et voilà. Donc vous avez votre petit texte qui apparaît. Donc vous pouvez, si vous voulez le modifier de couleur et tout, vous allez là. Et vous faites... Vous modifiez, donc vous pouvez modifier l'épaisseur du truc pour que ça fasse un truc plus stylé comme ça. Voilà, vous pouvez modifier bien sûr l'écriture, pas de problème. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez même des ombres si vous voulez. Bref, un tas de trucs. Donc vous essayez de le cadrer avec les flèches du clavier, c'est plus simple. Donc les flèches directionnelles du clavier, donc vous le cadrez à peu près comme ça. Comme ça, donc il sera pas en 3D, en relief, oui. Si vous voulez le faire, votre petite écriture secondaire en relief, vous allez dans Cinema 4D, vous faites en dessous de ça, mot grave, vous recadrez votre texte, et vous baissez la hauteur, vous marquez votre nom, et après vous pouvez vous amuser, donc voilà. Donc après, une fois que vous avez bien mis la bonne taille de chaîne, vous faites enregistrer, enregistrer sous, ou enregistrer où vous voulez, moi je vais mettre 2. Voilà. Donc, vous l'enregistrez. Donc, ne fermez pas votre logiciel au cas où si YouTube vous le prend pas. Donc, vous allez sur votre YouTube. Donc, moi je suis obligé de passer par Internet Explorer, même si j'aime pas, parce que mon Mozilla Firefox il ne veut plus me plug les vidéos sur YouTube. Donc c'est chiant, mais bon, tant que ça me permet de mettre des vidéos sur YouTube, ben, je continue avec ça. Donc voilà, vous allez sur votre chaîne, donc, en cliquant sur le petit logo, je pense que vous n'êtes pas con quand même. Créa Studio, Creator Studio. Donc là, donc vous affichez la chaîne. Donc vous arrivez là, donc moi j'avais déjà mis le mien, comme vous pouvez le voir. Vous faites le petit crayon, modifier l'illustration de chaîne, sélectionnez une photo sur votre ordinateur. Là, vous allez chercher votre fichier. Donc, moi, je tape directement comme ça. Voilà, il me l'ouvre. Donc, il importe. Importation en cours. Donc, normalement, si vous avez fait comme moi, ça devrait passer. Ça fait combien de temps que je filme? Déjà 18 minutes, mais bon, c'est pas grave parce qu'un tuto complet long, c'est mieux qu'un tuto bâclé et vite fait. Ça, c'est ma devise. Je préfère vous faire un tuto un peu plus complet et un peu plus détaillé qu'un tuto simple, rapide et basique. Là, comme ça, vous avez appris un petit peu de Cinema 4D. Je vous montrerai aussi comment utiliser Strozzi pour faire une intro ou pour faire fuiter un objet. Pour le faire détruire, si vous voulez. Ça soit un cube, un cylindre, donc ça sera le prochain tuto. Donc c'est un petit peu long à l'importation. Donc voilà. Donc ici. Donc vous voyez que si vous êtes sur un ordinateur, c'est pas bien cadré. Donc vous faites recadrer. Donc là, vous montez le truc à ras comme ceci. Pour que ça fasse plus joli, pour que ça fasse pas. Et vous faites sélectionner. Donc il est en train de l'enregistrer. Donc vous attendez quelques secondes. Normalement, ça devrait se changer. Voilà.
Donc, vous voyez que votre station de chaîne s'incruste bien dans votre banderole. Vous avez le même écart de chaque côté. Le logo ne vous gâche pas votre truc. Et donc voilà, donc le tuto est terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Donc vous pouvez faire mes Photoscape à moins que vous voulez rajouter des trucs. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura servi, vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'aller voir mon site internet. Bon allez, ciao, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao les gens.